Après les indicateurs de position que sont la moyenne et la médiane, nous allons voir maintenant les indicateurs de dispersion. Alors, le premier d'entre eux que nous allons voir, c'est l'étendue. Alors, l'étendue d'une série statistique est la différence entre les valeurs extrêmes de cette série, soit la différence entre le maximum et le minimum. Alors, exemple, on a relevé le prix en euros du même article dans 5 magasins différents. On relève la valeur maximale, qui est donc 120 euros, la valeur minimum qui est de 90. Donc, en faisant la différence 120 moins 90, on tombe ici sur l'étendue qui est donc de 30 euros. Deuxième indicateur de dispersion, les quartiles. Alors, le premier quartile Q1 d'une série de valeurs rangées par ordre croissant est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins un quart, soit 25% des nombres, lui est inférieur ou égal. Le troisième quartile Q3 d'une série de valeurs rangées par ordre croissant est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins 3 quarts, soit 75% de données, lui sont inférieurs ou égaux. Alors, on prend l'exemple d'un cas où le nombre de valeurs d'un caractère discret est un multiple de 4. On leur donnait les notes de 12 élèves à un devoir de mathématiques. Donc, pour déterminer donc quelle va être la position du premier quartile, Q1, on prend donc le nombre de notes maximum qui est de 12. Un effectif total multiplié par 25% pour le premier quartile, multiplié par un quart, on tombe sur 3. Ce qui veut dire que le premier quartile correspond à la troisième note. Donc Q1 va être égal à 9. Ce qui signifie que pour ce devoir mathématique, 25% des notes, soit un quart, sont inférieurs à la note, donc à 9. Pour Q3, on prend également l'effectif total, on multiplie par 75%, on multiplie par 3 quarts, on tombe sur les 9. Donc, c'est-à-dire que le troisième quartile donc, correspond à la neuvième note. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 12,5, ce qui signifie que Q3 est égal à 12,5. Le troisième quartile est égal à 12,5. Ce qui signifie que 75% des notes sont inférieures à la note de 12,5. Autre cas, le cas où le nombre de valeurs d'un caractère discret n'est pas un multiple de 4. Exemple, on a ordonné le nombre de carnets de tombola vendus par des membres d'un club sportif à l'occasion d'une fête. Donc ici, on a donc en tout 14 nombres de carnets de tombola. Donc pour déterminer Q1, on fait donc 14 multiplié par 25%, ou multiplié par un quart. On a donc ici la valeur de 3,5. Donc si on arrondit, donc ça correspond en nombre entier 4 carnets de tombola. Pardon, 4 c'est la position de Q1. Donc 4 ça correspond ici à 30. Et donc on tombe sur Q1 qui est égal ici donc à 30. Ce qui signifie que 25% du nombre de carnets de tombola est inférieur à 30. Pour Q3, on fait donc 14 multiplié par 75%. Donc 10 et demi, soit 11, donc on recherche la 11e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui signifie donc que 3 est égal à 80. Donc on peut conclure que 75% du nombre de
carnet de tombola vendu. Et c'est inférieur quatre verres. Dernier exemple, le cas où le caractère est continu, c'est-à-dire les valeurs sont regroupées par classe. Donc un professeur a regroupé les notes de ses élèves dans le tableau suivant. Ainsi, on va d'abord déterminer l'effectif total. 4 plus 8, 12, 12 et 12, 24 plus 6, donc on tombe sur la valeur de 30 pour l'effectif total. On va essayer des effectifs cumulés croissants pour chercher la position de Q1 et de Q3 dans cette série statistique. Donc entre 0 et 5, on a 4. Entre 0 et 10, on a 4 plus 8, ce qui me donne la valeur de 12. Entre 0 et 15, on a 12 plus 12, donc ce qui me donne 24. Et ensuite, entre 0 et 20, ça fait 24 plus 6 égale à 30. On retombe bien sûr sur l'effectif total. Alors, pour déterminer Q1 et d'abord sa position, on fait donc 30 multiplié par 25%, ou bien 30 multiplié par un quart. Donc on tombe sur 7,5, ce qui est approximativement donc égal à 8. Donc on recherche la huitième valeur dans les effectifs cumulés croissants. On remarque qu'entre 4 et 12, on a 8. Donc on se situe dans cette classe-là pour Q1. Donc dans la classe à 5,10. Donc, ce qui signifie que la valeur de Q1 va être égale à 5 plus 10, le centre de classe, divisé par 2. Donc 5 plus 10 divisé par 2, ce qui me donne donc 7,5, soit le centre de classe, la classe 5,10. On peut donc conclure que 25% des notes sont inférieures à la note de 7,5. Pour Q3, même chose, on calcule sa position dans la série statistique en faisant 30 fois 75 sur 100. On tombe sur 22,5, soit 23. On recherche dans quelle classe va être donc Q3. Donc entre 12 et 24, on a réussi 23. Donc Q3 se situe à ce niveau-là. Donc on calcule le centre de classe entre 10 et 15. Donc 10 plus 15 divisé par 2. Ça fait donc 25 divisé par 2. Donc on est à 12,5. Ce qui veut dire que 75% des notes sont inférieures à 12,5. Donc voilà pour ce caractère de dispersion que sont le quartile 1 et le quartile 3.